Et bonjour les amis, on se retrouve sur Project Castaway, on continue l'aventure. Alors cette fois-ci, on va vraiment faire le mode histoire. Voilà, on va avancer, on va aller voir ce qu'ils nous proposent, quels seront nos futurs objectifs. Hein. Avant de commencer, vous voyez, j'ai super faim. Je suis encore bien dans les jauges de viande et tout ça, mais bon, ils commencent à me dire ah, attention, vous êtes fatigué, vous avez faim, nanana, enfin comme d'habitude. Il y a un truc que je voulais faire avant, si j'arrive, si c'est pas trop flou, le délire, je sais même plus où c'est. Voilà, on va se faire des petits pièges pour les oiseaux. Alors honnêtement, pour le crabe, je sais pas parce que j'en trouve quand même régulièrement sur la plage. Et en plus, bon, ça me mange une plaque de métal, donc je suis pas trop trop fan. Là, c'est relativement simple. Oui, il y a quand même vachement d'oiseaux. Enfin, il y avait vachement d'oiseaux, forcément. Voilà, ils sont là. On va en mettre. Là, alors je sais pas s'il y a une distance qui fait que ou tout ça. Ah, on est quand même sur de l'early access, donc on va pas trop trop demander au jeu. Hop, je vais en mettre 3. Ça me permettra aussi de faire des plumes pour enfin me faire quand même quelques flèches. Et parce que j'ai un arc, mais j'ai pas de flèche, donc ça me sert un peu à rien. Hein. Là, voilà, on met les 3 sur la plage. Ouais, comme je vous avais dit, vous voyez, hop, on a ça, donc ça. On va le prendre. Comme on avait vu la dernière fois, je me suis rendu compte qu'en fait on avait quand même de la nourriture qui périssait, mais que je m'étais fait avoir sur les pinces de crabe, j'étais pas fan. Et en fait, rien à voir avec les pinces ou le reste. Hein. C'est de Dieu cette accélération. Bonjour vous. C'est juste le fait que j'ai dû manger des trucs un peu périmés. Donc, on va changer ça. Petit. Ouais, on va regarder tout ça après pour l'exploration. Je sais pas si je vais faire le bateau aujourd'hui parce que va quand même aller. Le but du jeu c'est quand même d'aller visiter les autres îles, mais je vais voir en fonction de ce qu'ils me disent au niveau de la tour là. Déjà, je vais me faire des longs sticks pour pouvoir faire les pièges et après à partir de là. Oh, Aloe Vera, j'avais jamais fait gaffe. Je crois que j'ai un craft pour de la crème solaire là-dessus là. Voilà, pour éviter les coups de soleil, donc très très bien. Alors je sais, j'ai pas l'impression que ça repousse trop ici. Alors, je me souviens plus trop de ce que j'ai déforesté et tout ça, donc bon pour l'instant on va partir sur l'option que la forêt ne repousse pas, donc au bout d'un moment va vraiment falloir que je quitte cette île parce qu'il n'y aura plus rien. Ah, voilà des longs sticks, impeccable. Hop. Et ici. Hop, hop. Ils sont où les deux autres? Et normalement, il y en a deux. J'ai cru le voir de l'autre côté. Voilà. Ok. D'accord. Il n'y a même pas d'appât à mettre dedans. Rien. Il n'y a pas d'action a priori pour l'armée. Bon, écoutez. Ça me va. Ok, là j'ai ce qu'il faut aussi. On va se faire une petite ration de crabe. Ah, là forcément j'ai plus rien. Je vais essayer de me trouver un petit bâton sur mon. Souvent sur les plages on les a. Après je ferai le tour de l'île aussi parce que ouais, j'ai plein de petits trucs sûrement à démonter, à récolter, à ramasser. Faut vraiment que je fasse le point là-dessus. Ça me permettra de voir un peu au niveau des crafts ce que je peux faire. Mais comme je vous ai dit, d'abord la priorité, ça va être... Là, tout de suite, maintenant, c'est d'aller dormir. C'est quoi ça, large? Ok, bon, écoutez, on va le sacrifier, tant pis. C'est d'aller dormir et manger. Donc déjà, on va s'allumer le feu, on va tout faire cuire comme ça. Au réveil, je pourrai manger. Et après, on va aller voir cette tour radio. Ok, bon, du coup, j'ai dormi 12 heures parce que pour passer la nuit, de ce que je vois, hop. Oh! Comment ça? Mais non! Comment ça chope des... Parce qu'elle est restée... Ah bien ça. Hein? Oh! L'eau stagnante, ça peut vous tuer. Oh! Ok, bon, faut que je fasse gaffe. Je sais pas ce que je vais trouver en haut, je vais quand même poser quelques trucs.
Notamment, bon, Butterfly, ou voilà. Ah non, non. Ah putain, ça c'est quoi ça? Alors, j'ai pas trouvé dans les options là, parce que vous voyez, quand je reste statique, j'ai toujours comme un effet de mal de mer là. C'est pas génial. Ça, faudrait qu'ils mettent l'option. Voilà, éviter que la tête elle bouge en permanence. Je vais te laisser en vie, toi, parce que pas envie de batailler. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ok, ça c'est de la nourriture, ça c'est de la nourriture, nourriture, nourriture. Ce stone shard, on peut en avoir besoin. Une corde et de la nourriture. Ouais, donc rien d'inutile. Il y a plein d'oiseaux. Allez, poussez-vous! Rentrez dans le piège. Eh, écoutez! On est parti. Je crois que l'entrée de l'escalier est par là-bas. Je sais pas du tout sur quoi je vais tomber. Ah, là-bas, il y a une île, elle a l'air assez grande. Par contre, il n'y a rien d'autre par là-bas. Là, il y a une autre, on dirait un phare ou je sais pas trop quoi. On va voir si en montant on arrive à mieux voir. Je pense que oui. C'est quoi ça? Je l'ai même pas. Drapeau national. Ok. Je vois pas trop l'intérêt là de suite. Ça, une autre planche de surf, ouais, bon, on verra après. On va regarder tout ce qui est collecte, voilà, de tous les éléments, on va regarder ça après. Ouais, une belle île ici, une autre île là, il y a des récifs là-bas, ok. Là, il y a encore une punaise de géante. One slag fly. Oh, c'est le drapeau de One Piece. Oh, ça, je le prends. Obligé, je le prends. Désolé. Autant, je voulais pas me surcharger. Et ici, il y a que ça ramène de l'autre côté. Donc, ça doit ramener à la maison, ça. J'y vais tranquille parce que je suis pas serein. Manure. Ah, il faut que je fasse aussi l'agriculture, voire voilà, l'engrais. J'ai vu qu'il y avait un truc à compost, donc je suppose qu'on doit. Ouais, c'est ça, ça ramène à la maison. Dans le compost, je suppose qu'on doit pouvoir y mettre les déjections avec, je sais pas, de l'herbe ou des conneries comme ça pour pouvoir faire bah, du compost. Un truc qui flotte là-bas, là, en plein milieu. Qu'est-ce que c'est? Il y a encore une autre grande île au fond, là. Oh. Ah, qu'on le fasse de jour, c'est pas plus mal, comme ça laisse vraiment le truc. Ça laisse vraiment la possibilité de voir les choses. J'espère qu'il n'y aura pas trop de brume, voilà, à l'horizon pour y voir quelque chose. Et ici, il y a une. Il y a du bois encore, mais je pense que c'est la partie où ouais, j'ai commencé à ratiboiser. Donc, en gros, la maison doit être par là, là, derrière. N'y a pas l'air d'avoir âme qui vive là, hein? Pas tomber. Est-ce qu'il y a des trucs partout? Ah, il y a un truc là. Ah, oh, j'ai pas sauvegardé. Si, j'ai sauvegardé. L'eau, vitamine. Ouais, mais pour l'instant, j'ai pas la vie qui part en sucette. J'ai ma consommation de bouffe qui a augmenté. Je vais me tuer. Hein. Quand je suis mal. Waouh. Alors. Pour une petite info, voilà, je suis thalassophobe et j'ai le vertige. Donc voilà, et dès que je suis dans l'eau, je suis pas bien, même dans un jeu vidéo. Et et dans ça, ouais, je suis pas bien du tout. Là, j'en rigole, mais parce que je sais que c'est que des pixels. Mais si je chute, je vous garantis que je vais pas être bien, parce que j'aurai une sensation de vraiment tomber. Rubis à molette. Ok. Ok, bon j'ai. Allez. Hop. Voilà, ça c'est le genre d'action.
Je prends sur moi. Je vous garantis que je prends sur moi. C'est pas du cinéma, là, je suis. Voilà, je suis mieux là, je suis bien. Là, je. Non, non, mais garde. Pourquoi dropper? Je vais le mettre là. Je vais le mettre à l'entrée. Parce qu'apparemment, sinon ça. Ah, je peux pas le placer. Je peux pas le placer. Oui, mais t'es gentil, garçon. Cancel, ok. Est-ce que si je le drop, ouais. Bon, je vais pouvoir le revoir. Ok, bah, je pense qu'il y a. Bah, il doit y avoir une partie de l'histoire là-dessus où ça doit servir à quelque chose. On peut pas faire de commerce avec rien, donc je pense que ça doit être utile pour quelque chose. J'ai quelques chutes de FPS ici. Légèrement, mais j'ai. Ouais, c'est, j'ai du mal à charger, j'ai l'impression, le jeu. Oh. Ok, il faut que je monte. C'est quoi ça? Ah, oh, une note. Few notes in journal. Ok. Petite combinaison. Ok. Bah ouais. Je pense que bah, les notes doivent nous dire un peu ce qui se passe. Par contre, ouais, ok. Faut que je monte. ici, on voit bien. Voilà. Ouais, j'ai l'impression qu'il n'y a que des îles. Non, on en avait vu une autre par là, je crois. Donc, ouais, on la distingue à peine. Ouais, donc faut pas se fier au truc de dire, ouais, elles sont que par là. Ah bah en plus, il flotte. Ah ouais, voilà. Ça. Il n'y a rien à récupérer là, non? Pas besoin de faire le zouzou sur l'arbre. Ouais, donc je pense qu'il y a peut-être d'autres îles par là-bas. Hein. Il y a un truc là. Ah, ça soit. Ça, c'est mon avion, ça. Mais je crois que d'ici là, voilà, ma maison est là. Et de cette plage là, j'arrivais à avoir une autre île que je ne vois plus maintenant. Donc, ouais, c'est juste parce qu'il fait un temps dégueulasse que. Ouais. Et là, il y a notre avion. Donc. Mais les autres îles les plus proches ont l'air d'être par là. Celle-là, elle est vraiment proche. Hein. Mais ici, on dirait un autre bâtiment. Donc, intéressant. Intéressant, intéressant. Quoi, faut que je passe en dessous? Ah ouais. Ok. Oh là là. J'espère qu'une chose. C'est quoi ça? Là. Ah non, c'est des. Ouais, non, il y en a d'autres là. Je croyais que c'était un item à ramasser, mais non. J'espère qu'une chose, c'est qu'il n'y a pas une échelle qui va lâcher ou quoi entre temps là. Ouais, j'ai faim, ouais. Bah, enfin, oui et non. C'est désolidarisé là. Je suis pas confiant. Je sais pas s'il aurait pas fallu. Est-ce que j'ai le marteau sur moi? Stone axe, le couteau. Est-ce que je sais faire le marteau? Oui, je sais le faire. Donc. Pourquoi il se lève à chaque fois? On va le poser au sol, lui. On va se refaire un marteau vite fait pour voir. Ah! Non, non, arrête, arrête, ah! Sors-toi de là. Ah, faut appuyer sur S pour descendre. Ouais, ça c'est mal. Mal branlé. Et. Ouais, on peut pas réparer. Bon, je sais pas. Bah, je pense que j'ai fait un marteau pour rien. Mais bon. Coffret électrique. Ok. Espèce de crochet, là, ça me met pas en confiance. Hein. Je me suspends pas dans le vide, hein, les mecs. Hein. Ça a pas l'air d'être. Ok. Pas l'air d'être ça la solution.
On se souvient que l'île la plus proche, c'est vers l'entrée du truc. Ok. Oh. Ok, pour descendre, c'est S en fait, ouais. Je préfère garder mon couteau, vu que j'ai déjà un marteau. À la maison. Ça, c'est mal foutu leur truc là. Une fois engagé, en fait, il faut reculer. C'est pas. Ouais. Bon. C'était presque bien. Donc on a une boîte avec un code. Là, wow. Ok. Donc je pense que voilà, ça va être des énigmes. On a récupéré un truc chelou sur un arbre. J'ose pas trop descendre, je suis pas sûr de pouvoir monter, mais bon. Faut explorer. Oh! Oh Wilson! On a Wilson! Excellent! Oh la référence, et sans déconner. Excellent! Est-ce que c'est. Waouh! Est-ce que si je le jette là? Alors, je vais fermer les yeux. Hop là, c'est bon. J'ai pas vu tomber, c'est bien. J'espère pouvoir le retrouver en bas. Qu'est-ce qu'il fout là, Wilson? Sans déconner. Bon, ici on avait trouvé le collier. Ouais, rien d'intéressant en plus, a priori. Ok, bon, le collier est toujours là. Ça, c'est une bonne chose. Alors ça, c'est des arbres qu'on peut pas détruire a priori. Ah. Et qui ouais nous empêche presque de passer, donc à mon avis là c'est pas intéressant d'y aller. Ok. Ok. Bon, je vais quand même garder ce collier. Hein. Voilà. Par contre, je peux rien faire avec. Waouh, il y a de l'orage. Ouais. On va vite redescendre. On va essayer de retrouver Wilson. On va le placer ça dans la maison. Pour être sûr de ne pas le perdre. J'espère que je vais retrouver Wilson. Les manures. Ok. Donc en théorie, il doit être pas très loin. Oh! Oh! Les petits pièges, ils ont. Oh, regardez! Trois! Les trois pièges ont fonctionné. Oh, ça c'est bon ça. Ah, on va commencer à faire des flèches. Ouh là. Et Wilson est là. Ouh, c'est trop bien. Passe tout ça. Je vais essayer de manger un peu parce que sinon, t'es tout pourri. Où c'est que je le place? F. Je vais le mettre au pied. Voilà. Ici. Alors pareil, c'est des trucs qui ne. Ah, le collier. Collier avec un diadème, ça me fait penser. Le rubis là. C'est pas un truc avec le Titanic là? Ou Rose, je crois, elle avait un collier comme ça, non? C'est. Ah, si vous savez en commentaire, vous me dites, mais. Ah ouais, je suis quasiment sûr que c'est une référence pareille au film Titanic. J'ai eu, voilà, là, autant Wilson, ça va, j'étais assez fan, autant Titanic, non. Donc voilà, s'il y en a qui savent, je suis très très preneur, mais il me semble qu'il y avait une info comme ça là, oui. Ça se trouve, c'est juste une référence cinématographique, et voilà, un petit caméo tranquillou, sympathique, ouais. Ah, c'est peut-être ça. Attendez, du coup, par contre, avant que ça pourrisse. Est-ce que c'est. Ouais, c'est toujours cocade. Hop, on va manger. Voilà, on va se restaurer un peu là.
On va juste en manger une. Je vais essayer de me garder. Elles ont pas l'air de pourrir par contre les. Je vais essayer de me les garder. Ah, le petit drapeau, faut que je le pose aussi. Ouais. Les champignons non plus, ça a pas l'air de trop périmer. Mais j'aimerais bien monter juste la quantité de légumes là. Voilà, juste au moins pour que ça disparaisse le truc. Alors, les singles. Ok, réarme. Ok, bon, tout simplement. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a une cuisse, a priori, une cuisse de poulet. Rien. On a un bec. Qu'est-ce que vous voulez foutre avec un bec? Qu'est-ce qu'ils sont allés me planter en craft avec un bec? Sérieusement. Alors, je vais pas ramasser les autres. Je voulais juste voir ce que c'est. Oh, ouais, c'est un gros bec, hein. Peut être utilisé pour crafter quelque chose de spécial. D'accord. Ok. Je vais pas ramasser les autres pour voir si, bah, je sais pas si la viande elle pourrit ou quoi. Où c'est que j'ai ramassé mon truc? Moi, j'ai les plumes. Ah ouais, ça se voit pas. Attendez, je vais essayer de me mettre au soleil, savoir si la luminosité est différente. Voilà. Donc j'ai eu une cuisse. J'ai eu combien? Ça a l'air d'être 3 plumes. Ok. 3 plumes et un bec. Bon, je vais poser le drapeau, le bec et. Est-ce que je peux faire les plumes du coup? Les flèches. Ça m'en fait combien des flèches? Ça par contre. Elles sont disposées où? Ici. Une seule? Ok. Il me faut une stone et à chaque fois un bâton. Alors là par contre, waouh! Il y a intérêt à les récupérer. Hop, hop. Il me faut du petit bâton. J'aime pas trop péter les grands sticks parce que généralement on en a besoin et après on court derrière. Mais bon. Là c'est au moins pour essayer de faire. Voilà. Un rond. Ah, mais me ferme pas la page à chaque fois. Ouais, c'est bon. Il manque juste des plumes. Ok. Bon, dans un sens très bien. Alors, ambiance de température, ambiance de température. Il n'y a rien qui m'indique que je peux choper. Est-ce que là c'est mieux? Est-ce que ouais. Jusqu'à preuve du contraire. Dans ce type-là, j'ai pas de souci de contamination. Bon après, c'est voilà, juste comme ça. Ah, forcément. Ouais, ça continue encore, ça monte. Ah, ici on a le symbole. Attendez. Hop, on est peut-être moi qui ai mal vu, mais il me semble que j'ai le symbole de la hache. Oh! Ah ben voilà, je cherchais comment. La dernière fois j'ai essayé là, en off, j'ai essayé sur les arbres, là, savoir comment on avait le truc de palmier. En fait c'est un morceau de feuille. Et je crois que ça sert sur pas mal de craft. Les liseurs, ouais ça. Ouais. Faut que je trouve de l'argile pour faire ça, là. Je sais pas trop à quoi ça va servir. Ouais le storage, je m'en fous. Ça faudra que je voie pour le faire éventuellement. Où c'est que. Parce que là, on a les feuilles de palmier. Ok. Oh. Dis donc. J'avais même pas vu la tente. Je crois que c'est dans les. Voilà, les bandages ici. Voilà. C'est ça. Donc en plus, ça nous heal pendant que ça nous soigne. Alors, so weed. Ok, il nous faut de la weed. Oh! Voilà ce que je vous disais, l'aloe vera. Par contre, slide coconut. Ah, c'est peut-être. Attendez, dans ce cas-là, dans le même principe, est-ce que. Si je prends une coconut. Est-ce qu'avec la hache. Oui, je peux faire quelque chose. Ok. Il faut quoi? Ah, il faut 3 coups. Ok, slice coconut. Ok. Ça va être juste des bols où il y a quelque chose à manger dedans. Non, pardon.
C'est l'autre touche. Range-moi ça. Est-ce que je l'ai sur moi? Oui. To mixed ingredients. D'accord. Pour mixer les ingrédients. Ok. To mix ingredients. Ah, ça peut être intéressant ça. Ça va se pencher dessus, ouais. Allez. On y met le drapeau de One Piece. Faudra que je regarde s'il y a un mât qui existe. Robert Mead, non. Palme. Coconut, banana. Stone Shard en garde. Voilà, le bec. Hop. Ouais, les palmes. Ouais, on va se faire. Hop. La corde aussi, je pense pas en avoir besoin de suite. On va se garder vraiment le strict minimum. Il est con ce truc ou ça se passe comment? Ouais. Je peux pas me dire. Ouais, en plus c'est pour le foot à côté, ça j'aurais pu le faire tout seul. Ok. Robert Mead. Elle a changé de couleur déjà ou c'est l'ensoleillement qui fait que. Tant pis si la viande de pigeon. Pas de mouette. Il s'est déjà redéclenché le piège. Oh, ça va, il y a un bon rendement alors. Ouais. Il y a un truc que je voulais faire. Voilà, c'est avant d'attaquer l'agriculture, parce qu'a priori c'est quand même pas mal. Ok, c'est un sac de fertilisant. Il y a un pesticide, alors il nous faut de la, du verre et du plastique. Voilà quand même comment on le faire. Bon, ça c'est des barrières, on s'en fout. Ça c'est des. Ouais, ok. Je vois pas trop ce que. Allez, épouvantail peut-être. Voilà, ça c'est ça. Je vais faire un truc, un bac à compost. Parce que généralement c'est assez long. Bon, si c'est comme dans tous les autres jeux, hein, c'est que c'est assez long à créer l'ingrédient. Donc je vais me couper deux arbres. Ouais, un seul, j'en ai déjà deux là. Et on va regarder ce qu'on peut y mettre dedans. Je pense que le manure là qu'on a vu, on va pouvoir y foutre dedans. Et on va commencer à récolter tout ce qu'il y a sur l'île aussi. Ok, donc ça, ok. Ouais, je me fais trois logs. Elle est où la coconut? Elle est là. Parce que j'aimerais bien attaquer aussi un peu le farming, quoi. Faire un peu d'agriculture, mais bon, je sais. Je sais pas trop ce que ça rapporte. Bon, a priori, s'il y a rien qui repousse, voilà, je pense qu'il va falloir planter bananier, cocotier. J'ai vu qu'il y a différentes baies, il y a du piment aussi. Roseberry, voilà, il y a plein de petits plants en fait qui va. Oh, tu. Ah, c'est quoi? Ah, l'araignée. L'araignée de ses morts, là. Voilà. Bon, pour l'instant, j'ai récupéré les bestioles, je sais pas à quoi ça sert, mais bon, si je vous les donne, vaut mieux les prendre. Et il va falloir aussi attaquer un peu le minage là. J'ai vu qu'il y avait des minerais. Alors, hop, add, ok. Sur 10, ok. Une petite feuille et sur 10. Bon, ok. On va essayer. Voilà. La viande pourrie. Est-ce que j'en ai d'autres? Sans, je vois pas. Sinon, à quoi elle pourrait servir? Ah oui, peut-être même les plantes. Ouais. À quoi ça pourrait servir? Rotten crab. Oh, les insectes, j'ai pas envie de les mettre trop dedans pour l'instant. Mais bon. On va voir. Bon, le bec pour l'instant, non. Hop. La rotten. Voilà. Il me semble que j'avais plus que de viande pourrie que ça. Hein.
Alors. Non, c'est pas B, c'est l'autre. Voilà. Ah. Insert resume to compare. Bon, ok. Donc ça, ça a l'air de fonctionner. Donc déjà, toute notre viande pourrie, on va pouvoir l'y mettre directement. Ok, ça donne quoi? Ah, 1 sur 10. Decomposing. 2 sur 10. Ok. Donc il est en décomposition des objets. Ok, bon, bah, jusque là ça marche. Ouais, ok. Bon, là on peut y mettre voilà, bon, des herbes classiques. Ça va, jusqu'ici. Ça va super vite par contre. Ouais, autant le compost d'habitude c'est super long. Mais là, non, ça c'est vachement bien. Ah. Je l'ai loupé. Merde, je l'ai fait tomber. Il est où? Il est dedans. Ah non, c'est que je dois être full. Ouais, voilà. Le rotten meat est là. Le rotten crabe. Ouais, voilà. La pince. La pince pourrie. 9, 10. Décomposé. Ok. Bon, il est déjà plein. Ça va, c'est cool. Vu que ça apparemment ça dispone pas, c'est bien, c'est que même s'il est plein, on peut le mettre à côté et ça va super vite. Je suis content pour une fois qu'il y a un jeu où l'agriculture est pas trop long. Enfin, au moins en termes de compost. D'habitude, ça prend une plombe à chaque fois. Ouais, je vous avais oublié, madame. Hop, je vous avais oublié, madame. Donc, très bien. Qu'est-ce que j'ai en place? Ouais, j'ai un peu de place, ça va. Je vais me poser la spider pour me libérer encore une place. Comment je suis en bouffe? Ouais, il va falloir que je mange un peu. Et après, je vais me prendre le marteau. Tous les objets, alors tout ce que je peux se transporter, je vais l'emmener. Ouais, il y a beaucoup plus de choses là-bas. Je pense qu'on va se faire le canoë par là. Enfin, le canoë. Le raft par là. Mais déjà, si je fais le tour de l'île, je pense que ça va me prendre un certain temps. Donc, il va falloir que je ramasse tous les branchages. Je crois qu'il y a encore un peu de tissu. Il y a des plaques métalliques. Je ne sais pas quoi ça sert. Enfin, voilà. Il y a beaucoup de choses qu'il va falloir que je gère. Donc, bah écoutez, je fais le tour et je crois qu'il y a des trucs à détruire. Donc je me prends le marteau et on se reprend dès que je suis en train de détruire des marteaux. Enfin, des objets, pardon, avec le marteau. Il me vient une idée. Je viens d'utiliser la table de désassemblage. Je viens de poser le marteau. Apparemment, il l'a pris. Ah, je vais tenter de le désassembler. C'est pas une grosse conso. Il était à 31% de toute façon, donc c'est pas... Hein. Et on se récupère tous les items. Ok. Question con. Il était à 31%. Stone Hammer. Oh! Il revient à 100%! Oh. Attends. Oui, vas-y, rentre dedans. Je prends la hache. Oh, il la prend. Ok. Il me donne les trois éléments, donc c'est pas perdu. Elle est à 77%. Hein. Ok. Stone Axe. 100%. Oh, trop bien. Ok. Toi. Ok. Oh. Wow, par contre. C'est du court distance ou c'est moi qui suis mauvais? Oh, ouais! Ouais, on peut récupérer déjà, c'est pas mal. Yes. Ah oui, par contre, j'ai pas de couteau. Est-ce que si je... Bah non, bah, y a pas besoin de couteau. Ah non, faut que je reste longtemps. Excusez-moi. Oh, yes. Bon, je prends le bec, je sais pas trop à quoi il sert. Si jamais j'ai besoin de place... Bon, je suis à côté, je vais le poser. Ok, donc ça veut dire que tout ce qui est un peu usé, on peut le remettre sur la table, le désassembler et le réassembler en suivant. Oh la peau, c'est pareil. Oh trop bien, dragon de Komodo. Hop, viens là toi. Et je te remets. Oh, il y a des belles avancées. Là, il y a des belles avancées. Il est vraiment bien ce jeu. Ok, Robert Fizer. Non, on va les garder, on va refaire des
Ouais, ça par contre, j'en ai pas besoin. Et l'iser, je crois. Pour l'instant, on va le stocker. Comme je vous ai dit, on va faire vraiment de la place. Ok, ça c'est nice. Est-ce que j'ai des petits sticks? Oui. Est-ce que j'ai des shards? Ok. Bon, dès qu'on trouve des cailloux, on fait des shards, des petits sticks, et puis après, on va s'occuper de ça. Ah, du gingembre. Ok. Ok. Ok, bon, un ventilateur cassé. Je pense que c'est ventilateur, hein. Ils disent qu'on peut le casser, justement. Scrap métal. Oh, ça, je crois que c'est des. C'est quoi ça? Plastique! Wow, trop bien! Une pile. Oh, ben voilà le plastique. On sait comment le faire. Enfin, le faire, le récupérer. Trop bien! F, smash, voilà. On va se récupérer les shards. Impeccable. Ok. Ah, manure, voilà. On va pouvoir essayer de le mettre en compost. Les petits sticks. Parfait. Est-ce que là, ça nous dit quelque chose? Non. Non, faut que j'essaye parce que je crois qu'il y a des trucs où il y a des. En start building, non. Est-ce que je peux. Non! Il y a un jauge d'oxygène. Je fasse gaffe, hein. Je crois que la première fois j'ai vu un requin qui devait pas être trop loin. Non. Est-ce que j'ai des trucs à ramasser? Oui! Ok. Ok. Comment je récupère mon souffle? Ouais. Ok. Bon, on va pas trop insister dans l'eau. Je voulais juste voir. Hit. Ah. Est-ce que ça. Bon, si j'en retrouve un, je le mangerai. Par contre, j'allais me poser du coup les vis et plastique et enfin tout le reste, un scrap métal. C'est quoi ça ici? Coquillage, on peut pas. Tu m'as fait peur, je voyais ta coquillage. Ok, bon, stone. Oh, petite cagouille! Et jamais trouvé encore, jamais vu. Je vais pas me récolter les plantes de suite tant que je regarde un peu comment marche le farming. Après, je mettrai. Voilà, je pense que je regarderai un peu comment ça. On peut faire pour sauvegarder au moins quelques plans, voire essayer la table de craft. Bon, maintenant qu'on a débloqué l'utilisation de celle-ci. Alors, je sais pas si c'est un bug ou si c'est prévu. Hein, ça, clairement, je. Bah, bon. C'est disponible, entre guillemets, donc je vais le faire. Ouais, ça on regardera après pour faire la bouffe une fois qu'on aura un peu plus de choses. Comme je vous ai dit, déjà, on va faire le tour de l'île. Ça, on. Ah non, il y a le sofa. Oh, le sofa, il est à côté de la maison. On va déjà aller voir un peu plus sur la plage ce que c'est. Ah bah ouais, de toute façon, ça va aller vite. Hein, parce que. Ah, avec des petits bâtons, ça on prend. Les coconuts, on prend. La petite coco, on l'a prise? Ouais. Ah bah j'en ai encore une autre. J'ai démonté de l'arbre. Hein. Ok. Donc là, qu'est-ce qu'on a? Donc toujours pareil, pour démonter, il faut le marteau. Hop. Scrap metal. Close. Ok. Et puis bah voilà, toujours des vis. Bon. Je dois pas être plein plein en termes d'inventaire quand même. Pas loin, pas loin, pas loin. Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce qu'on peut y faire quelque chose avec ça? Ça a pas l'air. Ah, c'est des trucs qu'on connaît, enfin qu'on a ramassé. On va essayer d'en goûter une, savoir si. Bon, ça doit augmenter sûrement au niveau des légumes. Stone charm. Tac. Okay. Ça m'a remonté un peu. Ouais, les légumes. Hop. Ouais, ça remonte bien. Ça va. Ça a l'air d'être assez facile à trouver une fois qu'on se fout le nez dans l'eau, donc ça va. Donc ça, c'est mes anciens trucs. Là, par contre, il y a deux logs. Ok, ça, c'est plutôt cool. Il y a une plaque, alors. Ça, je sais pas à quoi ça sert. Est-ce que. Ouais, je sais pas du tout à quoi ça peut servir. J'arrive même pas à. Non, pas ça. Ouais, ça lui fait rien. Ok.
Je vais prendre le bidon, je vais le ramener. Si je fais le tour de l'île. Oh! Ah, c'est une bagnole. Ah oui, puis on peut la démonter. Je l'avais même pas vu quoi. Oh! Faut que je regarde les notes, au fait. C'est vrai, je suis descendu de la tour sans avoir regardé les notes. Ça c'est débile. Oh! Ok. Là, il y a quoi? Il y a toujours ça qu'on peut ramasser. Ça, c'est très bien. Et ici. D'accord. Un frigo tout rouillé. Oh! Petite crotte secrète. Ouh! Il n'y a pas eu un bruit un peu là? Comme un. Alors, pas un au fait, mais je crois qu'on va pouvoir rejoindre la maison par là. Hein. Ouais. Des petits champignons, ça on prend au passage. Toujours pratique. J'ai pas l'impression que ça repousse. C'est peut-être moi qui ai fait des oublis. Ou alors faut les laisser grandir, peut-être. Connaître encore. Alors les. Ah, c'est les whites. Donc les whites se mangent et les bleus ne servent qu'a priori que pour le craft. Qu'est-ce que c'est que ces trésors à la con? Clairement, c'est quoi ces merdes? Et un bouclier. Alors j'ai pas la référence, hein. Si c'est une référence de film, ça j'ai pas. Peut-être 3, je sais pas. F, place. Peut-être qu'à la fin ils vont nous dire faut placer tous les éléments voilà, quelque part, mais bon, j'ai pas. Là j'ai pas. Donc avant de faire la voiture, on va faire. Il y a à regarder tous les recoins. Bon, pour l'instant, d'aller dans la tour, ça m'a pas servi à grand chose. Attendez. Et voilà. Je pense pas que la voiture je puisse la bouger, mais bon, en tout cas le frigo, oui. Donc si je peux déjà, je peux me l'approcher. Ouais, en fait je vais plus galérer qu'autre chose. Mais j'ai pas envie trop de le désosser dans l'eau. Bon, la voiture, comme je vous ai dit, pas trop le choix, mais lui, voilà. Si je peux sauvegarder quelques éléments. Putain, il flotte encore, c'est pas chaud. Est-ce que ça bloque? Ouais, la physique est bien branlée dans ce jeu quand même. Allez, on n'est pas en eau profonde, ça va. Le marteau tient bon. Ouais, je perds 2% à chaque coup, ça va. Encore des piles, ok. Est-ce que les piles dans la tour? Filtre à air. Unité de refroidissement, ok. Ok. Bon. Oui. Hop. Tant qu'à faire, quitte à faire un voyage. Hein. Oh, le joli couche. Lever de soleil, pas coucher. Idiot. Nickel. Ah, c'est joli. Hein. Vraiment bien foutu ce jeu. Et regardez, je viens de trouver du granit. Il y a des crafts. Donc ça va être le step au-dessus que de la pierre. Donc du coup c'est plutôt bien. Là-bas j'ai trouvé une lampe sur pied, là il va falloir la démonter. Et là, voilà, là c'est des vieux pneus. Je sais pas, c'est encore des... Ces plaques là, je sais pas quoi ça sert. Ah, il y a encore une... Hop, peut-être pas que je la perde. Je vais la mettre là. Ouais, ça c'est de la stone, là encore de la plaque, les clous, on va les prendre, hop. Ah! D'accord. C'est quoi, c'est de la citronnelle ça, les bonnes graisses. Là il y a combien? 1, 2, 3, 4, 5. Et les pneus ils servent pas à faire le bateau ça? Tac, donc ça c'est quoi? C'est metal barrel. Standing, bien une plateforme from wood. Ouais. Donc ça c'est le truc de base. Ça c'est la base robuste. Ok. Si ouais les pneus.
Ah, il en faut que deux. Ok. Baril, je crois que j'en ai plus qu'un. Donc, je vais peut-être l'utiliser pour faire une cooking sur le bateau. Je sais pas. C'est bien. Je pense que ce serait bien d'avoir au moins un lit et puis un truc pour faire cuire de la bouffe sur le bateau. Ça éviterait de le faire en arrivant sur les autres îles. Pourquoi pas. Donc, deux. Là, j'en ai trois. Donc, là, déjà, en gros, je peux faire deux plateformes. Alors, c'est bien. Par contre, il y a. Bug repellent. Ok, encore. Cool. Hop, ça je prends. Donc là, il y a encore deux plaques. Très bien. J'en ai une troisième juste devant là-bas. Donc ça aussi, c'est quand même une denrée rare. C'est quoi ce truc-là? Sais pas. Je sais pas du tout. Il y a encore une autre grande île derrière. Je crois que je l'avais pas vue celle-là. Ok. Bon, ça, je ramasse de suite. Ça reste de la bouffe. Ça, c'est quoi l'aloe vera? Ah non. Starfish Plant. Que. Okay. Oh, encore des plaques. Oh, des plaques. Oh, les plaques. Oh. Ok. Ah, mais j'avais peur d'en manquer. En fait, c'est pas mal. Ah, ben, on est juste à côté de la base, en fait. Bon, en termes de démontage, par contre, j'ai l'impression que tout se trouve de l'autre côté. Ou ça se passe comment? Baril. Deux. Ça m'en fait mon. Ça, c'est mon deuxième. Ok. Donc, ça, c'est bien. Il y a d'autres trucs dans l'eau. Ah ouais, il y a plein de trucs qui flottent. Encore une planche de surf. Alors, je sais pas du tout à quoi ça sert, par contre, les planches de surf. J'ai pas vu de craft avec. Peut-être que si je les démonte. Je vais sauvegarder avant, mais je sais pas si. Wow, on pourra ça avec ça, peut-être. Je sais pas. Ça n'a pas l'air d'être démontable. Ça, c'est quoi? Small sticks. Ok. Bon, j'ai quelques petits bouts de bois. Là, j'ai beaucoup, beaucoup de plaques. Ça, c'est vachement bien. Non. Ah, si. C'est quoi ça? Un matelas, non? J'ai pas réussi à voir. Ouais, c'est un matelas. Ok. Est-ce que j'ai de la place dans l'avant? Allez, vas-y, pousse-le. Voilà, très bien. Est-ce que j'ai de la place dans l'inventaire? Oui. Ouais. Est-ce que je le touche? Ouais, je le touche. Ok. Oh, wow. Il y a des ressorts. Springs. Ok, excellent. Ouais, donc c'est pas forcément échoué, hein. Va falloir s'avancer un peu dans l'eau pour voir tout ça. Excellent. Doing. Va falloir que je me refasse un autre truc. C'est quoi? C'est de la mousse, ça, je crois. Des plaques de mousse. Et puis après, bah voilà, forcément du tissu encore. Par contre, j'ai pas de. Apparemment, le cuir ne se fait vraiment que avec. Hop. Se fait vraiment qu'avec les. Comment ça s'appelle? Les peaux. Je pensais que. Ah, j'ai pas essayé le canapé. Peut-être que le canapé va me donner du cuir. Canapé en cuir. Hein? On y croit? Ah ouais. Ouais, ça se tente. Hein. Oh! Ah, je viens de plonger juste pour regarder s'il y avait des trucs. Regardez, il y a une épave. Il y a l'air d'avoir une épave là. Ah, c'est clairement une construction humaine ça. Ah oui, j'ai soif. Ok, et là en plus c'est. Ouais, en avançant directement. Ouh. Je pense que l'exploration va se faire déjà sans bateau. Ça n'a pas l'air d'être trop loin du rivage. Après, faut voir, hein. Ça se trouve. Comment dire, il y a des grandes dents qui ont faim. Je sais pas du tout où ils se trouvent. J'en avais vu un quand je suis arrivé. Tout, puis depuis, bah, pas revu. Donc, voilà, la lampe elle est là. Donc, ouais, je sais pas du tout si je vais survivre à leur attaque. Ce que je pense pas. Glace. Oh, du vitrage.
Ok, donc on peut faire l'espèce de craft là. Où es-tu? Le bandage en verre. Ouais, j'ai soif, je sais, j'ai soif. Il y avait un truc comme ça où il demandait. C'est pour le farming, je crois. Bon, ça, je sais pas pourquoi l'éolienne est intéressante. L'épouvantail, je pense connaître. Voilà, pesticides. Alors, je pense que c'est un truc qu'il va falloir. Alors, pesticides, est-ce que c'est vraiment pour les plantes, pour le coup? Pour le farming? Je sais pas. Et c'est pareil, après, est-ce qu'il faut le remplir d'un produit ou. Là, je pense que c'est juste. Sprint container. Ouais, ça va être juste le contenant, en fait. Et le contenu, bah, va falloir trouver la recette pour faire du pesticide. Parce que. J'ai rien vu en ce sens. Ah, blueprint, j'ai rien. Plain new blueprint. Ouais, ok. Bon, je vais pas le crafter de suite. Je sais que j'ai les éléments pour. Canapé. Non, pas B, c'est l'autre. Ouais, j'ai de la place. Je vais prendre le canapé. Je sais que dès qu'on a une tare, on meurt. Voilà, enfin, c'est clairement le truc où de dire bah voilà, t'as soif, t'as faim, t'es piqué, t'es empoisonné, t'es tout ce que tu veux, bah tu meurs. Allez, vieux sofa, donne-moi tout ce que je veux. Voilà, lise, ah, du canapé et du cuir. Ok, bon, ça c'est de la mousse, et après voilà, de la petite vis. Impeccable, hop, ouh, ça aussi c'est trop bien, je t'avais pas vu. Je l'avais pas vu. Ok. Hop. Alors j'hésite à faire un deuxième coffre. Alors, petite voiture. Ah, vache. Allez, on est reparti. Oh la vache! Vous barrez pas, vous barrez pas! J'espère que ça se barre pas avec le courant, cette merdaille là. Oh, il y a autre chose. Oh, ouais, bah si, ça se barre avec le courant. Et... Oh! Ah, oh, ouais, ça c'est à prévoir. Je sais pas ce que je récupère là, je spam comme un taré, on regardera ça après. Hein. Bon, a priori, il y a pas mal de vis, que des trucs qu'on connaît. Après, j'ai cru voir sûrement un volant, juste comme ça. Ok. Hop. Visiblement, on m'a pas dit que l'inventaire était plein. Ça, c'est plutôt pas mal. Je vais juste vérifier que j'ai rien. Oublié. Non. A priori, c'est bon. Je me le prends. Je suis pas full en inventaire. Non. Faut que j'essaye les bandages aussi. Hein. Ok. Alors, l'inventaire. Pas mal de vis, du scrap metal. Ok. Voilà, ça, c'est du grand classique. Jusqu'à... Ouais, c'est ça. Une valve. Ouais, enfin, valve ou. Ouais, ça ressemble plus à une valve qu'à un volant, pour le coup. Glace, ok, ça c'est bien. On a de la vitre. On a du verre, donc ça c'est plutôt bien. Ok. Bon, j'étais même pas full, donc a priori j'ai rien perdu. Mais... Hop. Ah, je viens de trouver les trucs, regardez. Je viens de trouver des trésors. Ok. A priori, Wilson n'en fait pas partie. Alors, Wilson, je crois que je l'ai vu en termes de. Ouais, c'est ça. En termes d'épouvantail. Ah, ouais, grave. Grave quand même, Wilson. Ça, c'est sûr. Ok, donc Wilson, c'est la référence au film Seul au monde, mais il est utilisable dans un craft. Donc, ça, c'est plutôt cool. J'espère qu'il y en a plusieurs. Ça peut être marrant. Mais par contre, sinon, voilà, les autres, c'est vraiment des trésors.
Donc je pense que le but c'est d'aller collectionner tous ces trésors. J'en ai déjà deux, donc déjà. Donc c'est une amulette qui appartenait à Cléopâtre. Ok. Et là c'est un ancien bouclier Zytek. Ok. Donc pas de référence au film pour le coup. Voilà, je pensais qu'il y avait comme Wilson une petite référence. Non, non, du tout. A priori, voilà. C'est juste des trésors classiques. On va avoir des harpes, on va avoir des jarres, du petit bol, des bagues, un petit. Comment ça s'appelle? Cheval d'arçon? Pas d'arçon. Cheval à bascule, pardon. Ouais, ok. Peut-être un globe. Ok. Non, bien, 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 bien. Ça y est, j'ai trouvé. En fait, c'était tout con, c'était juste à côté. Ok. Donc, les notes de la bouteille, ok. Et après, j'ai. Radio Tower, donc j'ai trouvé deux petits trucs. Ok. Ok, bon, ben la bouteille, ça a l'air d'être. Ouais, une lettre d'amour, machin, à son mec. Alors je sais pas s'il est mort, j'ai pas compris, ou si c'est parce qu'elle est isolée sur l'île avec ses enfants, de ce que j'ai compris. A priori, il y aurait deux petits garçons, ou trois. Voilà, donc leur père le manque, enfin voilà, le grand classique. Rien d'intéressant en termes d'évolution de l'histoire. Allez, maintenant, la Radio Tower. Donc c'est, à mon avis, on est tombé sur l'île, donc c'est ce qu'il y a de plus important à lire. On va voir. Ok, donc là on a affaire à un survivant bon, qui s'est fait avoir apparemment par Mandorpol Corps. Donc ça va être une société qui apparemment avait trouvé un truc très très spécial ici. C'est fait une somme, voilà, une ressource très très spéciale. Oui, apparemment il s'est fait avoir. Bon, il est tombé dans la paranoïa, pardon, et tout le reste, hein, tout ce qui est dû à l'isolement. Mais a priori, il dit un truc intéressant, c'est que faut trouver des notes. Donc, comme on a trouvé les petits post-it, et dedans, il nous donnera un code pour ouvrir la boîte qu'on a vue en haut, là, au pied de la tour radio. Il y a quelque chose apparemment de très intéressant pour nous. Ça va être assez contraignant parce qu'il va falloir trouver une clé à un moment. Voilà, contain the clay. Et de ce que j'ai compris, c'est comment dire, un endroit pas loin de l'île, a priori sous l'eau, qui contient une clé qui va nous permettre après de trouver plusieurs trucs. Enfin, moi et l'anglais, honnêtement, c'est chaud. Et puis là, en plus, ça fait partie du background. Donc, ils ont mis plein d'éléments de décor autour. Donc, ils ont noyé un peu toutes les infos. Vivement que ce soit traduit en français, mais vraiment intégralement. Ouais, ok, parce qu'à part le menu, pour l'instant, tout est en anglais. Donc, ouais, c'est chaud, 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 chaud. Bon. Je comprends à peu près la trame principale, donc pour l'instant ça va. J'ai pas envie de sortir les traducteurs, clairement. Au pire, je demanderai à Melnick, il est super bon en anglais, donc là-dessus, pas de problème. Il est bilingue, donc ça va. Mais voilà, de ce que je vois, c'est à peu près ça. Donc il faut trouver des post-it qui donneront un code pour ouvrir la boîte qui sera sûrement assez salvatrice pour nous. Donc c'est plutôt pas mal. Bon, ben gros 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 programme. Oh, ça dégueule. Là, le coffre il dégueule. Excellent. Gros programme. Donc ben, écoutez, on se dit à une prochaine. Si vous avez aimé la vidéo, ben, comme d'hab, on n'hésite pas, on s'abonne parce que là la série risque d'être assez longue. Des gros pouces bleus hein, pour m'aider. Faudra qu'on voye aussi pour la bouffe. Il y a tant de choses à faire. Il est génial ce jeu. Il est génial. Allez les amis, à très vite pour continuer l'aventure.